Et boum, on est parti en Ligue saison 3. Et oui, le grand retour de la série du Iker Failamax. On est parti. On est la première journée de la saison 3. Et je lance ma première ranked. Je suis l'aspi. Qu'est-ce que j'ai de la chance. J'avais bien évidemment call mon main role qui est la mid lane. Sauf qu'on a déjà I will mid, I support. On a un ADC, donc voilà. On va sans doute devoir jouer solo lane, puisque nous avons un support. Donc déjà, on supporte pas, on est content. En plus, on a un support solide, Geb, un perso qui peut stun shield, etc. Quelqu'un d'à moitié fou, hein, puisque dans les premières games qu'il fait, il joue support. Donc voilà. A priori, on va solo. En face, il y a un Poséidon, un Chiron et un Thor. On n'est pas parti dans les pics les plus dégueulasses de ce début de saison. De notre côté non plus. Hein. Janus, malgré son nerf, à mon avis, est solide. Thanatos, c'est plutôt fort également. Geb, souffre un petit peu d'un manque de dépush, mais ça dépend de l'ADC qu'on prendra. Alors, pour petite explication, on va donc faire les matchs de placement. Je vais essayer de publier une game de placement de Smite, peut-être tous les deux jours. Donc ça va prendre un petit peu de temps, c'est vrai, pour faire les 10 matchs. Mais c'est vrai que j'aimerais bien essayer de toutes les poster, en tout cas si possible. Alors il y aura sans doute des games un petit peu fail. On essaiera d'analyser le pourquoi du comment on a perdu, du pourquoi du comment on a gagné, en fin de partie. On essaiera de voir le build, on essaiera de progresser ensemble. Donc n'hésitez pas à faire vos matchs de placement. Après, vous risquez de les terminer plus vite que moi, parce que si je les commence aujourd'hui, donc mardi, je les terminerai pas avant fin de la semaine prochaine, si j'en fais une par jour. Et déjà, faut que je trouve le temps d'en faire une par jour, etc. Sachant que j'ai également des petites séries à faire, la série civilisation, etc. Donc on va essayer de publier un Iker en ligue par jour, mais comme je l'avais dit, les Iker en ligue, ça sera sur Smite, sur CSGO, donc je suis pas niveau 3 encore, et sur League of Legends, là pareil, il faudra faire les matchs de placement. Donc je pense que je vais faire une game de ligue de Smite, une game de ligue de LOL, une game de ligue de Smite, et puis il faudra que j'essaye de passer niveau 3 sur CSGO. Bon, on essaiera d'alterner sur cette série, et on essaiera de progresser ensemble sur ces différents jeux. Côté, il y a 4 bans maintenant. Aumont, donc est-ce qu'il va ban? Car je le rappelle, ils ont ajouté un quatrième ban en ligue sur Smite. Ah, il a oublié de ban. Il a oublié de ban, c'est dommage. Et côté de l'équipe adverse, ils ont ban. Ils ont ban 3 dieux aussi. C'est bizarre. Bizarre, on a ban 4 dieux, dont un qui est déjà ban. Ouais, ça signifie que aussi ils ont oublié un ban, peut-être, je sais pas. Mais apparemment, ça avait été tweeté par un responsable de chez Irez. Normalement, en conquête, il y a un quatrième ban cette saison à confirmer. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire si c'est sûr, mais je crois que oui. On va prendre Chenga. Chenga, je l'ai joué sur le PTS, sur la mid lane, mais en solo ça passe tout aussi bien. Je sais pas contre quoi je vais jouer, mais face à Poséidon, le 2 de Chenga est très fort. Face à Thor, c'est pas trop mal, on peut éviter un dunk, on peut éviter un contrôle, on peut le stun quand il retombe en utilisant une beads. Face à Chiron, ça permet également de dodge un ulti. Face à Sobek, de dodge son 1. Un Naokong. Thor solo. Thor support, Sobek solo, Aokong jungle, ou alors Aokong solo. Enfin, c'est ce qui semble le plus logique. Ça serait étonnant, Aokong face à Chenga, c'est pas un match-up hyper favorable pour le monsieur. Parce que j'ai quand même un 2 qui m'immune à son ulti. Et je peux éviter le burst de son 3 ou de son 2 en faisant mon 2 également. Apparemment, c'est un Aokong. Un Aokong solo. Donc, faudra se méfier. Le Polonomicon étant a été up, je le rappelle, donc c'est un up d'Aokong indirectement. On sait que les stats de base d'Aokong ont été également améliorés. Donc, il faut mieux se méfier du loup qui dort. Hein. On va se méfier d'Aokong. On va essayer de jouer safe. Et surtout le combo Thor-Ao qui peut faire très mal. Allez, on est chaud patate. On est chaud patate. On part dans la première game de placement de cette saison 3 avec une Chenga.
pas une DS que je joue tous les jours, mais une DS qui est très sympa en ce début de saison. Alors, on voit tout ça, qu'on a un diamant, deux diamants, saison 2 avec nous, contre deux platiniums. Donc, a priori, on a le matchmaking avec nous. On a un rang 10 Janus, par contre, Thanatos rang 1. Pas forcément un expert de Thana. Et du côté de l'équipe adverse, c'est pas non plus des experts. Hein. 3, 1, 3, 3, 4, comparé à la dernière ligue que j'ai sortie, qui était, je sais plus quoi, Rama peut-être, je sais plus. La dernière ligue de la série saison 2, je crois qu'il y avait que des rangs 10 pour la game. Voilà, c'est pas tout à fait le cas. Et moi, j'ai eu mon petit rang 2 sur Chenga. Une DS vraiment intéressante, je sais qu'il y en a beaucoup dans ma frénésie, dans mes viewers, qui aiment bien cette DS. Moi, je pense qu'elle est très très bien cette saison. On commence par la relique. On va prendre donc la purification. On aurait pu prendre l'égide aussi. Mais c'est vrai que la purification, l'égide, ça sera notre deuxième actif. Et on va prendre un élixir de puissance. Au cas où on se fait invade par Aotor. Et puis surtout pour dominer Aokong. Pour lui dire, vas-y, rentre chez toi. N'essaye pas de me tuer. Car en early, je vais faire très mal. Voilà, en gros, c'est sans doute pour ça qu'on prend un élixir. C'est pour assurer la phase de lane. Si vous n'êtes pas un expert de la phase de lane, prenez un élixir, jouez safe et vous verrez, ça se passera tranquillement. On va bien évidemment claquer notre élixir. Alors, la jungle ne pop plus à 10 secondes, mais pop à 5. Donc, il faut claquer l'élixir plus tôt. Avant, on pouvait attendre jusqu'à 20 secondes pour claquer l'élixir. Maintenant, on va plutôt attendre jusqu'à environ 30 secondes pour le claquer. On compte claque, hop, on prend les deux potions et on fonce. Ta 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 ta. Donc Thanatos qui bouge pas beaucoup. Bonne découverte de la saison 3. Oui. Thana, j'écris TH, mais c'est bon, il a bougé. J'ai eu peur. Il va arriver en retard normalement. Alors il y a des starters différents pour la solo lane. Vous pouvez faire back harpie bleu sanglier. Vous pouvez faire mid harpie bleu. Mid harpie bleu étant celui qui est le plus efficace en termes de juste deux camps. Qui vous donne beaucoup. Mais le problème c'est que vous le prenez à votre mid laner. Pas forcément, mais je pense qu'il y a certains starters qui le feront. Ah. Il veut pas faire les sangliers, Thanatos. Bah, on va pas les faire. Parce que toute seule, voilà. Toute seule, je peux pas les faire. Enfin, toute seule. Vous avez compris, quoi, avec Jenga, quoi. Ah, il est pas niveau 2 également. Il a fait pareil. Il a fait pareil. Il a. Ouais, mais tant Aokong, c'est pas fou en termes de dépush. Surtout que c'est un Aokong sans élixir. Et donc, sans élixir, ils ont un dépush mauvais. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait les sangliers non plus. Oula, ça fait peur là quand on entend un retreat du mid laner et qu'ils sont en train de fight. Alors je peux pas vraiment y aller. Faut savoir que mon décal là aurait pu être envisageable. Oh bon, qui prend le first blood, c'est bien. C'est, on le rappelle, un diamant saison 2. Donc tant mieux. On essaie d'avoir l'élastite. Voilà, 18. Un deuxième kill de Poséidon. Deuxième kill de Janus. Plutôt pas mal. Donc on va essayer de farm tranquillement et d'essayer de tenir. Voilà. Hop. Un petit 3. On essaye d'avoir les golds. On peut essayer de poke là au con. Il m'a fait des dégâts avec son explosion. Vous voyez, il souffre un petit peu de dépush grâce à mon élixir. J'ai raté mon last hit. Super. Alors, il faut savoir que ma journée n'a pas été la plus tranquille pépère. Hein. Je me suis levé à 5h du matin. J'ai été bosser. Ensuite, je suis rentré. J'ai mangé un petit bout. Ensuite, j'ai monté deux vidéos qui seront publiées sans doute après celle-là. Et ensuite, je suis allé courir 35 minutes. J'ai pris ma douche. Là, j'ai vraiment mangé. Et ensuite, je me suis dit, bah, il est temps de faire le match de placement. Oui, il est temps de faire le match de placement. Donc, on est un peu crevé. Un peu crevé. Donc, on va essayer de jouer safe. Oh, pas. Ce que fait mon équipe, hein. Regardez où ils sont. Putain. Mais ça se passe bien. On est à 3-0. Moi, je dis, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Du moment que ça se passe bien. Voilà.
Bon, ils n'ont pas invité Hao Kong et Chenga à la fête. On n'a pas été, on n'a pas reçu le coup de téléphone. Hein. On n'a pas été invité. Pas forcément sympa, mais on retiendra, quoi. Le jour de ma pendaison de crémaillère avec Hao Kong, quoi. On n'a pas été invité à la fête. Pas sympa. Pas sympa, pas sympa. Bon, il y a 3-0. Hein. On a réussi à faire un early back d'Hao Kong. On va superbement rater un 1. Retreat left lane. Apparemment. Ok. On n'a pas les gold pour les bots. Il y a les petits sangliers à faire. On les a pas encore fait. Hein. On n'a pas vraiment optimisé notre solo lane. Bon, après le Thanatos a voulu rush les mid harpy. C'est un choix. Voilà. On clean. On continue de clean un petit peu. On a 1400 gold. Donc le but, hein, c'est d'être bien évidemment devant son vis-à-vis de 450 gold quand on fait un élixir. Voilà. 43 par dragon. Ça fait plutôt mal. Moi, je vais aller chercher mon bleu. Ah! Apparemment, ils avaient envie de ganker. Moi, le problème, c'est que je peux pas les aider parce que si je les aide, j'ai pas mon bleu. Donc le bleu reste 30 secondes sur le sol, pas une demi-heure. Hop, on fait les Fire Elements. Bon, Fire Elements, on les fait plutôt vite avec Jenga, donc c'est vraiment sympa. Les sangliers ne sont pas pop. On va faire les bottes de mage. On va récupérer ces CS là parce que sinon on va les perdre tout simplement. Parce qu'ils vont être tués par les archers. Bon, on est pas trop mal. Ah, Thor est à droite, Thor est à gauche, donc je suis tranquille. Il y a du mouvement dans cette game. On sent bien le gros principe de la solo lane AFK Brain. Quoi. Ah, le premier kill pris sur Kikikiku. Bon, on a pris un level d'avance sur Hao Kong. On est plutôt content. On est plutôt content. Bon, il va finir les trucs. Voilà le petit lapin de Jade qui nous a ramené nos bottes de mage. On n'a pas trop peur d'Hao Kong. Hein. On a deux levels d'avance. Enfin, un level et demi parce qu'il doit être pas loin du 7 alors que moi je suis au début de mon 8. Bon, ça va, tu m'as pas fait très mal. Il a dû maxer son 3. Il a dû maxer son 3 pour le dépush. Après, Hao Kong est un perco qui scale. Hein, donc c'est pas trop en early qu'il faut se méfier de lui, mais c'est plutôt en late. Où il sera capable de one shot. On peut peut-être essayer de le tuer. J'ai pas la mana pour. Je peux juste faire un 1. Ouais, j'aurais pu mettre une auto, mais je l'aurais pas tué, je pense. On n'avait pas la mana pour le tuer. Dommage, ça joue pas à grand chose. On aurait acheté les bottes de concentration. On l'aurait peut-être tué. Bon, après, avec des si, on refait le monde. Mais peut-être bien que oui. Parce que les bottes de concentration donnent de la mana. Et donc, on n'aurait pas été home. Après, on aurait fait moins de dégâts. Parce qu'on n'avait pas de peiné. On sait bien, on occupe le Thor. On occupe le Thor. Pour le moment, la game est posée. 6-1. Moi, je veux bien faire les 10 games de placement comme ça. Hein. Même si je suis pas un grand fan de la solo, vous me connaissez. Je préfère sur la mid lane et décaler, et farmer tranquillement. Enfin, farmer tranquillement, c'est plus la solo. Mais après, si vous jouez un rat middle, vous pouvez vraiment bien enchaîner. Vous faites les mid harpy des Kelpop, vous faites le damage, vous faites les back harpy, vous faites ben voilà, vous faites les fire elements, etc. Et puis vous prenez des levels. On voit que Janus est plus haut level que moi, bon, parce qu'il arrive à bien décaler. Il est level 9. Bon, je suis pas très loin de mon niveau 9 également, puisque hop, vous voyez, je l'ai maintenant. Alors, on n'est pas trop mal avec Chenga. Avec les bottes de mage, l'avantage des bottes de mage sur les bottes de concentration, c'est que normalement, quand on fait 1 et 3, on devrait pas finir les... Moi, du moment, c'est que je récupère les sangliers, on le stun, utilise sa purification, et on prend le pot de premier kill. Bon, pour le moment, la game se passe bien, c'est-à-dire que mon Janus est au taquet avec le Thanatos. Il décale plutôt beaucoup, quoi. Merde, le bleu. On l'a eu. On l'a eu, là, c'est la pression de ne pas l'avoir. Et on fait les back RP.
Et pareil, les Bakarpi, ça se fait très très vite avec une Chenga. Alors Chenga, c'est à se demander s'il y a vraiment besoin de la CDR en ce début de S3, parce que le burst est quand même très efficace, plutôt que le 40% de CDR qu'on avait tendance à rush en S2. Moi, j'ai tendance à me dire qu'on sera fixé quand les pros joueront Chenga. Mais c'est vrai que... My bad. Faut que je lui dise, sorry. C'est complètement ma faute s'il crève là. C'est parce que je suis en train de parler, hein. Je suis en train de raconter ma vie sur une vidéo YouTube. Le mec en a rien à foutre. Il est mort à cause de moi parce que si j'avais pas discuté et que j'avais regardé ce qui se passait sur la minimap, j'aurais pu être là beaucoup plus tôt pour lui. On va acheter la ceinture rang 2. On utilise le lapin de Jade qui va bien évidemment aller chercher l'objet et nous le ramener. On n'a pas énormément de mana. On est à 200, donc là, au Kong, c'est très bien qu'on pourra pas le tuer. Donc il faut se concentrer sur l'élastite, comme je vous le dis souvent, de le faire. Oui, il dépush, il fait sa vie, il a raison, il sait que je pourrais pas le tuer. Double kill, ça par contre, c'est pas cool. Chiron qui se feed. Chiron, c'est un hard carry hein, en ce début de saison. Il a tout ce qu'il faut. Il a du sustain dans son kit de sort. Il a un bon sort de dépush. Son 1. Il a une invulnérabilité au contrôle sur son ulti. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, là, au con. J'aimerais bien récupérer le Fire Element. Je vais pas lui laisser. Coucou. Eh ben non, je l'ai eu. Bon, ça fait un petit peu de goal. Il nous chase, on le voit. Un Salaward. Mais bon, on n'a pas très très peur. On a une purification. Attention quand même. Il n'a pas beaucoup de mana, mais il a sans doute la mana pour faire un 3 et un ulti, donc attention. Putain, 270 en 3. 270 en 3, ok. On back, tant pis. Bon, je vais pas... Hop, on n'a pas la ceinture, mais on va acheter des wards et des potions de vie. Et on retourne en lane en claquant une ou deux danses, mais on peut pas trop en claquer. Pourquoi? Parce que j'ai pas de regen mana dans mon build. Mais le rush pendentif de Chronos aurait pu être cool, parce que j'aurais eu de la mana toutes les 5 secondes. Le problème de ce build là, c'est que j'aurais eu très peu de PV, donc je me serais fait one shot. Là au moins j'ai une ceinture du sorcier, j'ai 1440, enfin je vais sans rush une ceinture du sorcier, donc je vais augmenter mes PV. Ce qui est à mon avis important face à Hong Kong Thor. Attaque la Gold Fury, ils ont pris encore 2 kills de plus. Voilà, hop, un petit Crescent Moondance et ça passe, 18 gold pour tout le monde. Hop, on va se rapprocher, ça va permettre de toucher tous les sbires. Et on va faire ça, hop. Oh, j'ai raté le last hit. On peut push. Attention, hein, j'annonce le miss parce qu'Hong Kong pourrait débarquer à droite. Ils ont récupéré la gold, c'est parfait, donc moi je suis free push. Ils sont peut-être partis sur moi à la tour Poséidon. Faut faire attention. On va essayer Non, Poséidon est là. C'est bon. Claque une potion. Hop. Voilà, t'as tous les sbires sur toi, mon grand. Pas forcément fou. Bon, il m'a fait mal quand même. Il fait mal. On va pas se mentir, il fait mal. On va aller récupérer les Fire Elements. En positionnant une ward là. Merde, j'ai touché le fire, je crois. Putain, il y a du monde là. Il y a la compagnie. J'ai pas envie de lui mettre l'ulti direct. L'ulti, faut essayer de striker plusieurs personnes. C'est quand même assez bien. Attention, Tana. Attention, Tana. Mais pourquoi tu passes. Oh putain, je me suis pris la vague, quel idiot. Ah, je peux pas faire grand chose de plus là. Merde, et le bleu. Le bleu, oh là là, j'ai mal fait. Je me fais chase. Janus est à gauche, donc je suis un peu tout seul. Bon, 7-9. 7-9. Elle est bien partie cette game, mais attention. On est level 13. Ils vont push pas lane, faut que j'y aille. Oh, le Thor, il a du retard. Hein. Le Thor est level. Ah, il vient de passer niveau de 9 quand même. C'est notre Gep qui est niveau 9. En face, ils sont niveau 10. Ok, il voulait push le Thor. Est-ce qu'il veut me balancer un petit Tectonic Rift? Oui. Hop. On essaye de bien récupérer les golds. Très important sur la solo. Ça n'a pas changé. Et on part sur notre petite ceinture du sorcier. Alors on pourrait faire un build hyper glace canon. On prend aucune survivabilité.
J'ai tendance à vouloir jouer un peu plus safe que prévu. Oh putain. Ça fait mal quand même. Hein. J'ai mon level 13, donc j'ai ma relique. Le problème, c'est que je peux pas faire ramener au lapin la relique et l'objet. Donc on va back pour acheter la relique. Et on va acheter des potions. Ah, cool, Tana qui va aller défendre ma lane. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Après, il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin. Ah, si, Ao Kong push. Tana qui va tenter le fight contre Ao Kong. Tana qui réussit à placer son silence. Mais Ao Kong qui va ne certainement pas se laisser faire. Faut que je me mine le cul. Oh putain. Bon, il est mort. Apparemment, il est mort. Est-ce que je peux cancel son back? Oh, non. J'aimerais bien prendre la tour. Il a son niveau 13, donc il a son deuxième, sa deuxième actif. Ah! Au revoir! Dommage! Il peut pas TP. Bon, on prend la T1. On est le premier à prendre la tour, donc... On fait du PVE dans cette partie, c'est-à-dire que pour le moment, hein, on ne tue pas vraiment le dieu adverse, mais on prend l'atout, on est content. On met l'ulti, on le force à pise. Bon, moi j'ai purification et égide. Donc en théorie, ça va. En théorie, je suis pas trop inquiet. J'ai pas touché? Oh, j'ai égide. J'ai égide son ulti. Oh, pop, 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 le place! Bien joué, Gab aussi. Même si je pense pas que le Stone Shield me sauve. Oh putain, Dunk de Thor. Le 2. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Mais qu'est-ce que vous allez faire? Bon, il s'était rien passé pendant 14 minutes. Mais là, c'était la fête à la maison. Là. La fête à la maison, c'est bouffé Thor à Hong Kong Poséidon sur la tronche. Et on a survécu. Alors, Chenga, en saison 3, comment ça va? Ah, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Voilà, c'est tout le contraire. Chenga en saison 3, c'est tout le contraire des autres dieux. C'est-à-dire que vous avez 50 milliards de façons de survivre. Vous avez votre stun, vous avez votre heal, vous avez votre 2, vous avez votre bid, vous avez votre égide. Les mecs se disent, ah, mais normalement, les wombo combo, c'est très fort sur cette saison. Ouais, mais pas sur Chenga. Pas sur Chenga. Elle aime pas ça. Elle aime pas. Pendentif de Chronos. Pénétration magique. Pénétration magique, je pense. Non, c'est pas ça que je veux prendre. Pénétration, pénétration. On peut faire une lance dommage. On peut faire une lance dommage. Parce que la lance de la désolation, c'est cool comme... Oh non, je vais pas avoir le bleu. Je suis pas concentré. Je suis pas concentré. Il se passe quelque chose sur la duo lane. On annonce un petit missing à droite, hein. Non, Ao Kong est là. Parce que là, c'est le genre de truc où vous avez la goutte de sueur qui commence à descendre du front. Est-ce que j'ai annoncé mon miss? Est-ce que le solo adverse est parti sur la duo lane? Parce que vous n'y êtes pas du tout parti. Non, c'est bon. On est rassuré. Il est toujours là. Il fait du PVE à Ao Kong. Il aime bien. D'accord. Ça n'a pas l'air d'être un expert non plus d'Ao Kong. Hein. Il se dit, bon, le Polonomicon est broken cette saison. Ao Kong a été up. Je vais jouer à Ao Kong face à Chenga. C'est pas un bon counter de Chenga. Chenga est un peu un counter d'Ao, d'une certaine façon, grâce à son 2 de base. Donc, hop. Moi, je récupère mes petits Fire Elements. Hein. J'aimerais pas pull le Fire quand même. On l'a touché, je crois. C'est pas... Un petit 112 de dégâts, c'est pas bien grave. Donc on continue de monter notre censure du sorcier. Chenga, le défaut que j'aurais à souligner sur Chenga, c'est que c'est pas early quoi. C'est pas early, donc c'est un bon pick solo. Parce que généralement les picks early, sur une lane où il se passe rien pendant 25 minutes. Bon, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses, je suis mauvaise langue. On a eu un super dive qui s'est mal passé pour l'équipe adverse. Ça aurait pu mieux se passer. Mais on a pris les bons choix de reliques. Donc... Même si je suis pas forcément un fan de la beat de cette saison, c'est-à-dire que vous risquez de me voir dans certaines games où je vais tout simplement pas prendre de purification parce que je pense pas. Je pense qu'il a tellement été nerf cet actif qu'on peut s'en passer dans certains cas. Genre par exemple, il n'y aurait pas l'ulti à Ao Kong. Je serais peut-être passé de la beat. J'aurais peut-être joué Egypte premier actif. Et en deuxième actif, sprint. Comme ça, quand Sobek vous fonce dessus, sprint.
Etc. etc. On peut push la tour, mais c'est un peu risqué. Hao Kong est en train de push ma tour, donc il faut que j'y retourne. Parce que Hao Kong a un Polonomicon. Et le Polonomicon permet de transférer une partie de votre puissance, 75% en ce début de saison 3, donc c'est très très fort, sur les auto-attaques. Vu qu'Hao Kong est un melee, c'est très difficile de rater une auto avec un melee. Donc c'est pour ça que le Polonomicon est très très bien sur AO, mais est également très bien sur Poséidon. Je pense que Poséidon, si je le joue cette saison, je mettrai un petit Polonomicon dessus. Merde, il est parti à droite. Non, Hao Kong est parti farmer à droite plutôt que de fight. Ah, attention, Janus. Janus 1v4. Ah, c'est Janus, quoi. Hein. Et dire qu'il a été nerf. On va partir sur une pierre du vide. Non, sur une lance de désolation, je pense. Coucou à Hao Kong. Alors là, on lui fait un petit coucou. Hein. Encore deux sorts, il est mort. Donc hop. Et boum. Voilà. Chenga. Chenga saison 3. Très très bon pic. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi il a pas essayé de survivre, mais. On a beaucoup de mana avec la ceinture du sorcier, mais par contre, on a très très peu de regen mana. Très très peu de regen mana, il y a Rama qui est en train de push sur la duo, ça va faire une tour de tombée de plus. On est sur du 8000 gold d'avance, plutôt solide la game. Il y a les Midarpi, on va les récupérer. On va faire lance de désolation, bâton de Tahuti, Ponti de Kronos. Ouais, ça me semble pas mal, ça me semble pas mal. On va faire les Fire Elements. Bon, c'est pas grand chose un Fire Elements, hein, regardez, c'est 15 de gold, 30 d'XP. Mais mis bout à bout pendant 20 minutes, ça fait quelques gold. Si vous les prenez et que l'adversaire ne les prend pas. Donc voilà. Bah, c'est du PvE quoi, le solo lane, vu qu'il y a les Fire Elements, il y a les sangliers, etc. C'est plutôt du PvE. Hop. 29-29. On back. Ouais, lance de désolation. Pierre du vide aurait pu être pas mal, pourquoi? Parce qu'il y a quand même un Sobek, un Thor et un Poséidon. Et je le rappelle, la pierre du vide a été up 5 de pénétration dans le passif en plus. Donc c'est plutôt pas mal. La protection magique aurait été cool. Après Poséidon, est-ce qu'il va vraiment nous faire beaucoup de dégâts? En théorie, on va égit ses dégâts. Donc on s'en fout un petit peu. Vu que le Hao Kong n'est pas en train de push, je vais récupérer mon bleu. Oui, on l'a. On va positionner des wards. Quoique, il y a besoin de moins de mid là. Vite. Bon, je vais me faire toucher par Ao, tant pis. Bon, Poséidon est mort. Ao Kong a peu. Ah, il bon. Arrive un petit peu après la bataille. Bon, on est à 3-0-3. Ce qui est pas mal. Ce qui, mine de rien, pas si mal pour un solo laner. On va push notre petite lane en positionnant une ward là, voilà. Donc là, la ward au fire, assez importante quand vous jouez contre un Thor, parce que s'il ulti, il va souvent partir du fire. Après, si vous pushez énormément, il partira du bleu, si vous pushez beaucoup. Hop, une petite ward là, pas de sanglier, pas de bleu. J'arrive. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là? On pourrait faire les backarpi, mais bon, c'est PvE boy une nouvelle fois. Rama qui prend la T2, tranquille pépère, alors qu'il y a toute l'équipe à côté. On peut peut-être faire un strike là. Boum! On a touché 3 personnes. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait mal, mon petit Hao Kong. Ouh, ça fait mal. Ouf, ça fait mal. Ouf, l'astral barrage de Rama. Oh putain. Ouf. Mais on attend, mais je l'attends ton Kraken. Mais je l'attends, j'ai une égide, je l'attends. Mais vas-y, mais balance. C'est trop fort. Allez, on rigole un peu. On rigole, mais on va pas mourir non plus. Hop. 4-0-4. Bon bah, on s'est fait carry. On s'est fait carry, mais on n'est pas trop mal. On s'est fait carry quand même. Bon, le Janus avait l'air d'être au taquet dans cette partie. Un diamant en saison précédente. Le mec, il rigole pas. Quoi. Mais Kraken, mais mets ton Kraken, mais fais quelque chose. Stoppable. Ouais, inarrêtable, 7 kills d'affilée. Janus plutôt solide.
Donc Janus, je suis rassuré. Au moins, je suis rassuré. Pas besoin de le jouer pour savoir si Janus est toujours viable. A priori, il est toujours viable. A priori, ça snowball toujours. On poke le Sobek. Boum. On focus le Sagittarius, là. Le Chiron. Le professeur d'Achille. D'Héraclès. D'Ulysse. Enfin, disciple d'Ulysse, je crois. Attaque Raitor. Moi j'aurais plutôt attaqué à gauche, mais bon. Là ils sont en train de grid là. Là c'est ce qu'on appelle de la gridance là. Le Sagittarius, on le stun. Le Dying de Thor. Qui c'est qui le tue? Faut pas qu'il tue. Il a pas tué, il est mort. Il tire au con. Oh putain, je suis mal barré. C'est là le. Sur qui va-t-il retomber à au con? Bien évidemment, c'est sur moi. Égide! Triple kill. Merde, on donne plein de kills à Okon. Casse-toi, Thanatos! Chacun pour sa peau! Merde, j'aurais pas dû 2. Bon là, je m'appelle Shenga, mais désolé, mais je peux pas survivre à ça. C'est trop me demander. La lance de désolation. La lance de désolation donc, qui permet d'avoir beaucoup de puissance. Alors de la pénéflate un petit peu moins, on est passé de 30 à 20. Mais quand même, beaucoup de puissance et surtout un passif broken. Si vous prenez un kill, vous avez 8 secondes de moins de temps de rechargement sur vos compétences. Donc principalement sur Chenga, ça lui permet de récupérer son 1 instantanément, son 3 instantanément, son 2 quasiment instantanément. Plutôt efficace. C'est pour ça que je pense que Chenga n'a pas besoin de CDR. Parce que Chenga est-elle capable de prendre un kill quand elle le souhaite en teamfight? En théorie, oui, parce que son combo ulti 1 en late game fait très mal. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de CDR sur Chenga. Et ça permet d'augmenter le burst de Chenga, qui est le gros gros défaut de Chenga finalement. C'est que c'est quand vous la buildez full CDR, vous n'avez pas trop de dégâts. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est le fait de pouvoir répéter les dégâts. Et est-ce que Chenga a-t-il besoin de CDR? Regardez, je fais un 1. 4 secondes de cooldown, ça va. Avec 40%, on descendrait à 3 secondes, quoi. 3 secondes et demie, enfin, ça serait pas énorme, quoi. Donc, je sais pas. Je suis un peu partagé sur la CDR sur Chenga. Un peu partagé. Après, on a le blue buff. Il y a un autre objet qui va être intéressant en saison 3. C'est la pièce de Pythagore. La pièce de Pythagore est un objet qui donne de la CDR, qui donne pas mal de puissance, qui donne du vol de vie. Donc sur tous les persos à vol de vie du style Agni, je pense que la pièce de Pythagore peut vraiment être pas mal. On arrive. Chiron. Oh! Le mec, j'ai pas envie de jouer contre lui, hein. Je relance pas après, hein. J'ai pas envie de jouer contre bon. Ça a l'air d'être un français. Enfin, je sais pas, il a un nom québécois français. Ça fait un peu. Là. Coucou, Sobek. Et boum! Le waxing. Vous voyez, on a facilement le kill sur Chenga. Donc, je pense vraiment que la CDR sur Chenga, on peut s'en passer. Et que la lance de désolation peut nous suffire. Ah, on n'aura pas le temps de se mettre en full stuff. Alors mon full stuff, mon objet suivant aurait bien évidemment été le bâton de Tahuti. Parce que le bâton de Tahuti permet de récupérer encore plus de puissance. Et après on peut chercher un moissonneur. Et alors là je peux vous assurer qu'un Waxing Moon de Chenga avec moissonneur lance de désolation bâton de Tahuti. Le mec dit au revoir à ses PV. Thanatos. Oh putain, il a eu le temps de décoller. Il a eu le temps de décoller, le Tana. Il a eu le temps. Il a 4 HP, quoi. Il a failli mourir des harpies, quoi. Je peux te soigner. Viens là. Hop. 220 le soin. 220 le soin. Toutes les 8 secondes. 220. Donc avec la lance d'Achille, ça fait 440 de soin. La lance d'Achille. La lance de désolation. Attention, ça va dunk. Boum! Tu ne taperas pas à mon Janus! Ah merde. Hop, je soigne le petit Janus. Je vais chercher le Thor, moi. Coucou!
Mais le mec, bon, le mec troll à moitié parce que je sais pas pourquoi il revient, quoi. Mais je pense qu'ils sont à bout, les mecs en face. Ils se disent: putain, c'est mon premier match de placement! Je suis tombé avec des merdes, quoi! C'est pas possible. Ramak a fait le fire tout seul. Ouais, comme tu veux. Et ça surène. Et ça surène. Bon, bah, une game tranquille. On s'est fait relativement carry. Bon, on n'a pas été mauvais non plus. On n'est pas à 0-5 en face de lane et on s'est fait carry. Mais je n'ai pas porté la game. J'ai pas fait un TP qui a permis de faire un triple kill sur Janus. Non, c'est Janus qui s'est fait tout seul. Donc, plutôt content. Plutôt content de cette première game. On va mettre un petit 4 sur 5. Voilà, matchmaking. On est content tant qu'on gagne, hein, généralement, le matchmaking. Progression en match classé 1 sur 10. Donc, voilà. En termes de dégâts, on a fait 17 000, ce qui est pas trop mal, plus que Gep, plus que Thanatos, bon, moins Kramma et moins que Janus, ça on s'en doutait à peine. 609, des bonnes stats. On aurait terminé par un bâton de Tahuti, un moissonneur, comme je le disais. On va regarder un petit peu le stuff de notre ami Janus. Janus nous a fait 40% de CDR quand même, plus la lance de désolation. Bah, vous voyez là, je sais pas, je suis assez sceptique de ça. Est-ce qu'il a vraiment besoin de la lance? Ça remplace quoi? On faisait quoi à la place, à la place de la lance? On faisait livre de Thoth, moissonneur, bâton de Tahuki, bâton de... Ah, il fait pas de pénétration. Il a pas de lance, il a pas d'éclat d'obsidienne, lance de mage dans son build. Ok. Parce que là, il faisait moissonneur, bien évidemment, il terminait par bâton Tahuti. Bah, je pense que son build est OP si en face il n'y a pas de résistance magique. Et vu qu'il n'y a pas de résistance magique, bah, son build était pas mal. Mais s'il y a de la résistance, son build sera à chier. Si les mecs montent à 150 de résistance magique, il va tomber face à un mur. Allez, je vous souhaite bonne chance pour vos matchs à vous. Et on se retrouve pour le deuxième match de placement. Allez, à plus tard.